Voilà, juste maintenant, c'est pour vous montrer, il fait jour. Mais qu'est-ce qu'il a fait le Jean-Jacques? Il est parti où là? En Grèce? Regardez, à l'heure qu'il est là, il y a encore le soleil. Mon linge sur ma petite terrasse. Ah, mais je n'avais pas vu, il y a même un robinet dehors là. Voilà, vous voyez, c'est les habits du gringo. Voilà mon jardin. Au milieu des vignes. Entendez les chèvres? Mais aussi qu'il est parti en Crète, au Mexique. Qu'est-ce qu'il fait? Là-bas, il y a la piscine. Ça, c'est ma maison. Bon, enfin, j'ai décidé de péter un câble. Avant de mourir, regardez un peu. Voilà, bon, je vais essayer de. Ouais. Mais il fait vraiment très très chaud, hein, même la nuit. Bon, je vais essayer de rentrer chez moi, hein, un peu. Vous présenter un peu la maison du gringo. Je vais encore péter un câble. Voilà, c'est tout, tout est meublé. Qu'est-ce que c'est, ces petites lampes bleues là pour la nuit. Voilà, il y a la télé, il y a la cheminée, l'insert, la bibliothèque. La cuisine avec absolument tout, hein, les frigos dans les buffets là. Bon, il y a mon ordi sur la table, un grand canapé en cuir, et puis tout est avec mes couleurs, ouais, le blanc et le rouge. Alors j'ai une clim là, je viens de l'arrêter parce que ça, elle est énorme, c'était un congélateur. Ah oui, je ne vous ai pas dit où je suis. Vous voyez, c'est tout en marbre. Bon, je vous dis, j'ai bronzé hein, parce que. Voilà, il y a absolument tout. Petit déjeuner, le café, il y a tout ce qu'il faut. Bon, voilà une autre vue d'ensemble, vous voyez, avec en traditionnel. Là, c'est une pièce pour mettre ses affaires. Hein. Ici, voilà, et tout. Ça, c'est ma petite salle de bain. Voilà, avec mon sac, toujours le même. Douche à l'italienne, enfin, juste ce qu'il faut, quoi. Voilà. Et puis là, c'est ma petite chambre pour les gringos, vous voyez. Regardez si elle n'est pas belle, cette chambre. Encore une clim. Hein. Donc, j'ai mis les pièces à 23 degrés parce que autrement, c'était l'enfer. Voilà, le short, les affaires du gringo et le lit. Bon, je vous le dis maintenant, j'ai pété un câble. Hein. Je suis redescendu au Portugal. Voilà. Voilà ce qu'on a pour une somme très très modique, le prix d'un Formule 1. Je suis logé chez un propriétaire viticole. Voilà. Il loue un peu de ses pièces pour se faire 2-3 sous. C'est magnifique, quoi. Vraiment magnifique. Sur ce, bonne soirée, gringo. Au revoir.